Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau vlog. Oui, je reviens et j'espère que maintenant je pourrai quand même filmer au moins une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 10 jours. Pour moi, c'est comme vous savez, c'est comme la rentrée. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas encore le mois de septembre, mais je pense que maintenant, dès maintenant, je vais commencer déjà à préparer l'hiver, on va dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois de juillet? Franchement, c'était un très bon mois parce que j'ai eu ma maman chez moi. On a passé 3 semaines ensemble. C'était vraiment chouette. Il y avait des jours où on faisait des sorties, il y avait des jours où on restait simplement à la maison pour on a bavardé. J'espère que pour elle, c'était vraiment un petit répit entre parenthèses, malheureusement. Et moi, en tout, j'avais 4 semaines de vacances. Aujourd'hui, on est lundi le 31 juillet et ma mère, elle est partie encore dimanche dernier, c'est-à-dire le 23. Et cette dernière semaine, j'étais bien sûr un tout petit peu encore triste. J'avais un peu le cafard, mais quand même, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a, comment dire, ce qui m'a donné la motivation pour la suite et tout, c'était bien sûr le tricot. Et j'ai commencé bien sûr à vous faire un petit vlog. J'ai commencé à faire un petit vlog et entre-temps, j'ai commencé aussi à faire le tri dans mon stock de laine, de faire un petit inventaire, on va dire comme ça. Et j'ai déjà filmé la première partie, enfin la première vidéo, parce que je vous ai dit que je vais faire deux vidéos, une vidéo pour sur mon stock de laine en pelote et l'autre vidéo pour la laine sur conne. Et pour la laine en pelote, j'ai déjà fait la vidéo. J'espère que je serai pas obligée de le refilmer parce que j'étais obligée de faire tout ici par terre. Et comment dire, j'ai baissé en fait le trépied sur lequel en fait je mets le téléphone et j'étais obligée quand même de filmer son micro parce que comme vous pouvez voir moi j'ai le micro avec le fil et j'avais peur qu'il va tout le temps se balancer et tout et alors j'ai filmé grosso modo avec le micro de téléphone et c'est pour ça j'espère quand même que le son il va être bon. Voilà, ça c'était un petit spoiler pour la vidéo de la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je veux vous montrer dans cette vidéo? Bien sûr, il y aura mes projets en cours, mais tout d'abord, quand même, je veux commencer par les projets terminés. Parce que tant que ma mère, elle était là, non, j'ai terminé qu'un seul projet, c'était le pull. Le pull, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous mettre les photos parce que c'est ma maman qui l'avait récupéré. Elle a bien aimé et pour elle, ça va être un pull bien chaud pour l'automne et voire même l'hiver. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir sur la photo, peut-être, enfin, ça se voit pas peut-être comme ça, mais moi, je l'ai vu déjà sur la photo que dans la zone ici, la manche, sous les aisselles, en fait, on va dire que la manche ici en haut, elle est un tout petit peu juste pour ma mère parce que je l'avais tricoté, enfin,
les emmanchures et tout, la hauteur d'emmanchure, c'était calculé pour moi parce qu'au début, je l'ai tricoté le pull pour moi. Et c'est pour ça, pour ma mère, c'était un tout petit peu juste parce que moi, j'ai l'épaule, enfin, on va dire le tour de bras ici en haut, j'ai 33 cm et elle, je crois qu'elle en a 40 et c'est pour ça, en fait, la manche en haut, il est un peu juste. Mais ma mère, justement, elle a aimé. Pourquoi? Parce que ce pull, pour elle, il va être impeccable pour mettre sous un manteau ou sous une parka. Parce que souvent, moi, je lui tricotais, on va dire, les manches classiques. Vous savez qu'on les manches ici, elle est un tout petit peu large. Et après, plus étroite en bas. Moi, j'aime bien, en tout cas pour moi personnellement, j'aime bien les manches comme ça. Mais ma mère, elle dit que ça la gêne beaucoup justement quand elle met, on va dire, une couche supérieure en hiver. Bien sûr, moi, je tricote comme ça pour moi parce que je n'en ai pas besoin. J'ai pas de manteau. Enfin, j'ai un manteau, mais c'est vraiment quand on sort style pour le marché de Noël ou quelque chose comme ça, où je sais que je vais rester dehors pendant, allez, 30 minutes, 1 heure ou quelque chose comme ça, parce que sinon, moi, c'est toujours en voiture et un pull ou un cardigan, c'est suffisant pour moi. Bref, sinon, le pull comme ça, je vous ai dit, c'était inspiré un peu d'autres modèles que j'ai vus sur Instagram. J'ai cru d'utiliser le patron que j'avais acheté en ukrainien. C'était le patron de Patriotic Sweater pour les adultes, mais quand même par rapport, vu que j'avais utilisé comme motif principal une sorte de côte irrégulier, je pouvais pas utiliser les calculs grosso modo qui étaient dans le patron, alors j'étais obligée de faire tous mes calculs comme d'habitude moi-même. Comme ma mère elle avait récupéré ce pull, j'ai pensé que j'aimerais bien peut-être tricoter un autre pour moi. Je n'ai pas cette laine parce que c'était la laine alizée que j'avais achetée. Je vous ai montré les pelotes, j'en ai plus. Il me restait quelques petits bouts que je vais utiliser pour ma couverture. Mais c'était une laine, enfin, c'était le métrage, tout ce qui est le plus classique, 100 grammes, 240 mètres, c'est-à-dire que c'est 120 mètres dans le 50 grammes. Même Drops, et là, il en a des laines comme ça, enfin, on peut le tricoter même Charisma ou Lima ou quelque chose comme ça et ça va aller. Moi, peut-être je vais choisir dans ma collection de laine sur conne parce que tout ce que j'ai en pelote, j'ai pensé que, enfin, tout ce que j'ai déjà trié en pelote, il n'y a rien qui convient et je pense que par contre, dans mon stock sur conne, je vais trouver quelque chose. Voilà en ce qui concerne ce pull. Et deuxième projet que j'avais terminé, mais pas tout à fait terminé. Et d'ailleurs ici, même j'ai besoin de votre conseil. Ça, c'était la veste pour Adèle que je vous ai montrée dans le podcast que j'avais filmé avant l'arrivée de ma mère. Ça, c'est un patron, un modèle gratuit que j'ai pris sur le site de Drops Design. La veste, elle n'est pas terminée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de bouton. Et il y a, j'ai pas, comment dire, j'ai caché tous les petits bouts, mais vu que c'est la laine coton acrylique, elle est bien torsadée, on va dire comme ça. Mais si je coupe, même quand je fais, en fait, je vois quand je fais un nœud, le bout, il est, comment dire, il est essaye. Enfin, il sort quand même de ce nœud. Je ne sais pas comment expliquer parce que la laine, elle est très glissante. Et je pense que c'est. Enfin, j'ai attendu dire que le coton, lin, tout ce qui est la laine végétale, c'est difficile avec les nœuds. En fait, il y en a beaucoup qui disent qu'ils le collent avec le colle à textile. Moi, j'ai regardé sur Amazon. Je ne suis pas encore allée dans un magasin. Il y en a plein de. Il y a plein de marques et je voulais vous demander si vous, enfin, si vous en avez déjà, si vous avez déjà eu l'expérience avec la laine en coton et surtout avec les petits bouts, avec quelle marque de colle vous collez ça.
Et moi, je cherche surtout quelque chose transparent, je crois. Et voilà, et comment vous le faites? Parce que est-ce qu'on le coupe vraiment au ras, le fil, et on met un petit, comment dire, une petite goutte de colle? Enfin bref, je ne sais pas comment le faire. Si vous avez l'expérience, j'aimerais bien attendre votre avis. Sinon, le patron, il est... comme je vous ai dit, je l'avais travaillé un tout petit peu à ma façon aussi, parce que là où il y a les feuilles dont le patron c'était le point mousse, moi je l'ai fait avec les mailles en verre. J'ai fait la longueur aussi, enfin la veste un tout petit peu plus longue que dans le patron, et je trouve que les manches, ils étaient un tout petit peu étroites. Et en fait, moi, j'avais monté exactement le nombre de mailles qu'il y avait dans le patron, et je trouve que la manche, elle est limite étroite. Enfin, pour Adèle, elle est bien, mais c'est quand même, ça sert pas. Mais c'est juste juste. Alors, si je devais le refaire, peut-être, voilà, j'aurais peut-être monté, je sais pas, quelques mailles en plus sous les aisselles, mais je crois que j'en ai monté quand même 6. Oui, il y en a 6. Enfin, bref, sinon, c'est la veste comme ça, début l'automne, ou pour les soirées d'été un peu frais. C'est pas vraiment une veste pour l'hiver, parce que, comme je vous ai dit, c'est... La laine d'été, c'est Gazal Baby Cotton, et je crois que c'est 55% coton et 45% acrylique, ou l'inverse, quelque chose comme ça. Mais la veste Adèle, elle aime bien, mais on n'en a pas, enfin, dans toute la collection ici de boutons que j'ai, je n'ai pas de boutons qui pourraient aller pour cette veste. Alors vendredi, je pense on va aller au magasin, et peut-être on va choisir quelque chose là-bas. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore de nouveau pendant ce mois? Non, je crois que c'était tout. J'ai tricoté un peu, justement j'ai fini le pull. J'ai tricoté un peu, voilà, la veste pour Adèle. J'ai changé aussi la coiffure. C'est pour ça, moi, je dis pour moi, en fait, voilà, maintenant c'est la rentrée. Je bouquinais aussi beaucoup, et voilà. Et du coup, maintenant, je vous invite de regarder quelques petites séquences que j'avais filmées pendant cette semaine, avec bien sûr les péripéties que j'ai eues dans mon tricot. Et après, on se retrouve pour parler de mon pull Vishivank. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on est mardi le 25 juillet, si je ne me trompe pas, et j'essaye de reprendre mes habitudes de filmer un tout petit peu, si ce n'est pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours ou tous les 3 jours, pour vous donner de mes nouvelles. Et voilà, après une longue pause, c'est un peu difficile, j'espère que je ne vais pas trop bégayer, mais bon. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager quelques projets que j'ai en cours, et quelques projets que j'aimerais bien commencer. Ou peut-être un seul projet pour l'instant, parce que quand même, j'ai encore mon pull Vishivank que j'ai pas encore terminé. Et du coup, on va parler tout d'abord de mes chaussettes. Comme vous pouvez voir devant vous, j'ai commencé les chaussettes avec la laine Regia, et c'était, attendez, j'ai gardé l'étiquette, c'était ça comme chaussette.
Comme vous pouvez voir, les chaussettes, elles sont vertes, mais à la caméra, vous voyez ça comme style bleu pétrole. Je ne sais pas, j'ai la lampe, j'ai un peu, comme vous pouvez voir, un peu de blic de soleil, mais à la caméra, normalement, les couleurs vertes, elles sont toujours comme ça, bleu pétrole. J'étais très contente de tester, excusez-moi si vous attendez le coq chanter, c'est le coq de notre voisin. Il l'a acheté, je ne sais pas, il y a quelques semaines et maintenant ça chante. Pas toute la journée, mais bon, ça chante. J'étais trop contente voilà, d'essayer cette collection, on va dire, où il y a ce truc qui s'appelle Easy Start. C'est-à-dire que enfin, la pelote, elle commençait par la laine jaune. Pour avoir deux chaussettes identiques, si je pensais que je vais prendre la laine, je vais tricoter sans problème, sans souci. Mais non. Je vous explique pourquoi. J'ai gardé l'étiquette justement parce que ici, il y a les explications comment ça marche. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, qu'il y a ce bout de laine jaune pour voir où c'est le début. Et au milieu de la pelote, parce que je l'ai dédoublée, comme vous pouvez voir, toujours je le fais comme ça, parce que je tricote deux chaussettes en même temps. Style, ce bout de laine jaune, ça ne sert pas à tricoter, c'est juste le repère. Alors vous coupez ce bout et vous commencez à tricoter. Et comme vous pouvez voir, la chaussette, c'est-à-dire qu'avec la laine de couleur unie, vous faites les côtes, le talon et le bout, la pointe. Ici, les designers, ils vous proposent, vous voyez, si vous tricotez les chaussettes pour la taille, pour chaque taille, en fait, ils vous disent combien de mailles il faut monter, combien il doit faire les côtes en haut, en centimètres, et combien de centimètres jusqu'au talon, avec les côtes inclus. Moi, je tricote pour la première taille, parce que moi, je porte 39, enfin, je chausse 39. Alors, j'ai monté 60 mailles, je ne voulais pas monter 64 parce que les deux paires de chaussettes précédentes que j'ai fait, ils étaient un tout petit peu, après le lavage, enfin, c'était un peu étiré, et la laine. Et je trouvais que c'était trop trop lâche pour moi. C'est pour ça, c'est ma mère qui les a récupérés parce que elle a le pied qui est beaucoup plus large que le mien. Et pour elle, les chaussettes, elles étaient impeccables. Bref, j'ai monté 60 mailles. Je tricotais 5,5 cm des côtes, même 6, ça fait ici. Pour ne pas vous dire de bêtises. Ah oui, mais Adèle, je pensais de passer par là et j'ai plus de règles ici. Ah si, attendez, je bouge la caméra. Comme vous pouvez voir, ça fait même 6 cm. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Là, le début, voilà, ça fait 6 cm. Et la laine, enfin la couleur verte, elle n'était pas finie. Ça faisait ça encore. Au début, j'avais peur que je vais pas avoir assez, vous savez, cette partie multicolore pour faire jusqu'à le talon. Et j'ai commencé encore faire le jersey avec la laine verte. J'ai fait 5 rangs et après j'ai commencé à tricoter avec multicolore. Mais quand j'ai fait, je crois, 25 rangs, j'ai vu que il restait encore beaucoup de cette partie multicolore. J'ai tout défait et j'ai découpé justement le fil. Vous pouvez voir combien il y en a de chaque pelote. Voilà, de deuxième pelote, ça me fait ça. Et là, j'ai fait déjà 50 rangs de parties multicolores. Et il me reste encore jusqu'à cette partie verte pour faire le talon. Et je pense que je serai aussi obligée de couper. Parce que si je dois faire, moi ici, je ne me rappelle plus, ça fait 18 cm peut-être. Et demi, mais le truc, vu qu'il conseille ici de faire la partie haute 24 cm, moi ça va pas aller parce que ça monte plus haut que la moitié du mollet, et pour moi les chaussettes c'est trop haut et j'aime pas. Et pour 60 mailles, ça sert trop.
C'est-à-dire que quand je les monte, comme ils me disent, à 24 cm, ça fait trop haut et ça serre. C'est-à-dire qu'il faut monter plus de mailles. Et encore, j'ai fait sur rebord élastique. Alors, je vais couper aussi le fil et je vais commencer à faire le talon vert. Et après, ces petits bouts, je ne sais pas, je vais les utiliser pour faire les chaussettes pour Adèle ou quelque chose comme ça. On verra bien qu'est-ce qu'il me reste comme laine. Mais en fait, c'est joli, j'aime bien. Mais voilà, leur précision ici, ce qu'ils disent de faire, ça correspond pas du tout, quoi. Pour moi, voilà. En ce qui concerne les chaussettes, c'est tout. Et du coup, j'ai décidé, voilà, que je vais faire quand même comme ici, c'est le talon boomerang. Et je vais faire le talon boomerang. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Après, je pense que dans la première partie de vidéo, je vais vous parler, voilà, de cadeaux que ma mère m'a ramené d'Ukraine. Elle m'a acheté beaucoup de laine. Mais c'est vraiment magnifique. Mais il y en a certaines laines. Elle m'a acheté pas assez, on va dire comme ça. Et là, j'ai commencé à faire les échantillons. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un cours pour. Enfin, j'ai acheté une place pour faire le cours. La technique qui s'appelle, je crois que ça s'appelle en français l'épaule marteau. J'ai jamais tricoté comme ça. Et il y a une youtubeuse ukrainienne qui fait ce cours, enfin, elle a préparé ce cours, et il vient de commencer là le 20 juillet. Pour l'instant, on est au stade de faire l'échantillon, de monter les mailles. Bref, ce que je voulais dire, que je cherchais la laine parce que je veux commencer quand même par un petit pull, c'est-à-dire que plutôt faire le pull d'un fond pour Adèle que pour moi, parce que si je me trompe, en fait, voilà, je connais pas du tout cette technique, je préfère commencer avec quelque chose plus petit. Je commençais à faire les échantillons hier parce qu'il y en avait certains articles que ma mère, elle m'a acheté, par exemple ça, c'est un article qui s'appelle Folco. Attendez, je vais tirer l'étiquette. En fait, les filles, elles font les étiquettes comme ça. C'est 50% mérino et 50% acrylique, c'est 1400 mètres dans les 100 grammes. Et ma mère, elle a pris que 300 grammes parce qu'elle pensait que si je la tricote en trois fils, ça va me suffire pour quelque chose. Certes, ça va me suffire, mais sauf qu'en fait, hier, j'ai fait l'échantillon. C'est ça. Et ça me plaît pas du tout parce que cette laine, elle se transforme pas. Je pense que c'est parce qu'il y a enfin moitié-moitié acrylique. C'est presque comme la laine en pelote pour moi. C'est pas la laine sur les cônes qui. Certes, il y a un tout petit peu le duvet qui est sorti parce que cet échantillon, il était déjà lavé hier, mais il est trop fluide. Vous pouvez voir, voilà, c'est presque transparent. Et je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 3. Vous pouvez me dire qu'il faut le tricoter peut-être avec les aiguilles numéro 2 et demi ou voire 2. Mais non, pour moi, c'est le barrière infranchissable. Je tricote pas avec les aiguilles plus petites que 3. Parce que ça va faire trop long, le projet il va s'éterniser, je vais perdre d'intérêt et voilà, je vais arrêter, je vais le laisser quelque part en fond de mon placard et voilà. Alors, avec le 3, je sais pas. Ah, peut-être je vais le tricoter avec 5 fils. Mais ça va être quelque chose de plus petit ça va être pour Adèle. Avec cette couleur, ça me gêne pas. Voilà. Et je vais avoir. J'ai compté si je le divise par 5. Ça va me faire à peu près, je sais pas, entre 800 et 900 mètres. Pour Adèle, je vais faire une veste, ça c'est sûr. Deuxième article, et en fait, Folco, cet article, il y en avait plusieurs coloris. Et justement, je crois qu'il y en avait encore un comme ça, mais un tout petit peu plus foncé. Elle a pris aussi 300 grammes, mais les autres coloris, il y avait un vert style olive très très joli, elle a pris 600 grammes. Alors là, ça va, je vais tricoter en 6 fils. Il n'y a pas de souci. Et pareil, il y avait une couleur style rose antique. Pareil, elle a pris 600 grammes. Alors là, c'est impeccable. Mais par contre,
Comme je vous ai dit, j'aime pas trop le fil comme ça, très fin, parce qu'après, il faut tout dédoubler, faire 5 pelotes et tout ça, et c'est très long. Mais bref, je suis quand même reconnaissante que ma mère, elle m'a fait un cadeau comme ça, parce que comme vous pouvez voir sur la photo, il y a beaucoup, beaucoup de laine, et c'est intéressant quand même d'essayer de nouveaux articles et tout. Et c'est surtout que c'est la laine, grosso modo, qui coûte pas cher. Ça coûte encore moins cher qu'ici en Europe parce que dans ce magasin, enfin, je l'ai regardé après comment ça se passe. Et les filles, c'est très très rare quand ils ont vraiment en stock quelque chose 100% naturel. Il y a très très rare qu'il y a par exemple le cachemire qui est 100% naturel ou mérino qui est 100% naturel. Ce style, ça peut être une fois toutes les 3 semaines. Après, sinon, ils ont beaucoup d'articles comme ça que il y a au moins 20% de polyamide dedans. Et c'est pour ça que ça coûte pas si cher que ça. Et je ne dis pas que voilà que c'est une mauvaise laine ou je tricote voilà pour Adèle avec une mauvaise laine, mais quand même pour un enfant, je trouve que ça c'est impeccable le rapport qualité-prix parce que quand même les enfants je peux pas encore faire une veste pour Adèle qui est 100% cachemire parce que ça vaut pas le coup en fait je sais qu'elle va le porter une saison et après ça va être trop petit et voilà mais par contre avec des articles comme ça ça va très très bien le deuxième con c'était ça s'appelle Cash 5 parce qu'il y a 5% de cachemire, 30% de viscose, 30% de mérino et 35% de polyamide. Et c'est pareil, c'est à 1500 mètres dans les 100 grammes. Et pareil, il a pris ici 360 grammes parce que c'était le reste. Il n'y en avait pas plus. Là, ici, je ne l'ai pas encore lavé parce que je viens de faire l'échantillon ce matin, tant qu'Adèle était encore au lit. Il est, enfin, comme ça, à la caméra, on ne le voit pas, mais il est un tout petit peu moins transparent que celui-là. Et c'est pareil, je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 3. Je ne sais pas, vu qu'il y a le cachemire, peut-être la laine, elle va se transformer un peu. Et celui-là, par contre, voilà, et ça ne me gêne pas de me faire, mais peut-être même avec un brin de mohair, peut-être, de me faire une petite veste qui est comme ça, vous savez, légère. Fluide et tout parce que pour Adèle je peux pas je trouve que c'est la couleur qui va pas pour un enfant parce que c'est comme ça un peu marron noisette un peu terne là le rouge encore ça va c'est gai mais marron je trouve que pour un enfant c'est quand même un peu je sais pas on verra bien et pour ce projet justement je faisais ces échantillons parce que je pensais que je veux faire je vais commencer à tricoter ce projet avec l'épaule marteau, mais dans ce cours qu'il donne à cette fille, enfin cette youtubeuse, la laine elle est un tout petit peu plus épaisse et moi j'ai peur que je vais traîner en fait derrière tout le monde avec la laine qui est fine comme ça. Alors je pensais que peut-être je vais revenir vers ça. Si vous vous rappelez, j'ai pas pris la pelote, mais c'est. Oh là là, comment ça s'appelle? Coton Yak de Concept by Katia avec un brin de mohair avec élastane que j'ai tricoté la veste pour Adèle. Et ça, j'ai tricoté, je crois, avec 3,5. L'échantillon, il était. Et peut-être je vais faire avec ça parce que enfin, je vais utiliser cette laine. Je sais pas. Je verrai bien. Je vais peut-être remonter aujourd'hui les mailles. Ça me semble que ça peut être bien. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Je reviendrai vers vous peut-être pas demain, parce que demain, je veux quand même avancer un peu avec les chaussettes, avec ce projet-là. Mais voilà, après-demain ou dans 2 jours, pour vous donner de mes nouvelles. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Thank you.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est jeudi le 27 juillet. Hier, j'ai pas fait la séquence parce que j'ai pas tricoté, enfin je tricotais pas beaucoup hier. C'était la journée de réflexion et en plus j'ai commencé à filmer l'une des vidéos sur mon stock de laine. Et hier, j'ai fait déjà toute ma laine, j'ai trié toute ma laine en pelote. Je suis très contente parce que ça m'a pris, je crois, enfin, la vidéo, je vous ai filmé pendant 2 heures, mais ne vous inquiétez pas, je pense que cette première vidéo, elle va faire, quand je vais couper et monter tout, ça va faire peut-être 40 minutes. Justement, je ne veux pas faire des vidéos très longues. Et après, ce qui m'a pris le plus du temps, c'est bien sûr de trier tout, de faire l'inventaire, on va dire ça. Bref, toutes les explications, elles vont venir peut-être la semaine prochaine, enfin la semaine après la sortie de cette vidéo, de ce vlog. Et peut-être demain, si tout va bien, je vais faire toute ma laine sur cône. Et ça, je pense que ça va aller même plus vite parce que les cônes, c'est plus facile, bien sûr, de les trier parce qu'il y a, voilà, même si j'en ai pas mal, mais je pense que ça va aller plus vite. Voilà, maintenant on va parler de mes projets du moment. Hier déjà, je voulais, certes, je voulais filmer la vidéo avec le stock de laine, mais c'est surtout que je voulais un peu réfléchir par rapport à mes deux projets qui me préoccupent maintenant. Et l'un de ces projets, c'est bien sûr les chaussettes. Je commence à penser que vraiment la laine avec multicouleur comme ça, avec des sections, c'est pas ma tasse de thé. Parce que même si le producteur, il vous dit que voilà, tout est déjà pensé pour vous, si vous commencez par les côtes, après en fait, enfin, vous tricotez sans souci et les couleurs, elles sont déjà pensées pour vous. Non, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà coupé la laine verte ici après les côtes, parce que j'en ai eu encore pas mal. Et là, quand j'étais arrivée pour faire les talons, j'ai regardé combien de laine verte il y en avait sur la pelote. Voyez? Et du coup, comme je vous ai dit, normalement, je fais toujours les chaussettes avec le gousset. Et comme vous pouvez voir, dans ces chaussettes, attendez, je vais tirer un peu les. Il n'y a pas de gousset. Tout simplement parce que j'avais compris hier que je n'aurais pas assez de laine verte pour faire ce gousset. Parce que moi, si vous voulez, je ne sais même pas trop comment on fait le gousset avec le talon boomerang quand on commence par le haut. En fait, j'ai tricoté déjà pas mal de chaussettes avec le talon boomerang. Quand on commence par la pointe, là-bas, le gousset, il se tricote plus facilement. Et du coup, je cherchais sur Internet les tutos pour voilà, pour faire le gousset. Et enfin, je trouvais pas. Il y en avait beaucoup, justement, beaucoup de youtubeuses qui disaient que même quand ils tricotent les chaussettes tout le temps avec le gousset, par exemple, avec d'autres talons, pas le boomerang, ils font toujours le gousset. Et que le talon boomerang, il est tellement bien que, comment dire, il est tellement confortable que vous n'avez même pas besoin de gousset. Vu combien j'avais la laine verte là pour faire le talon, j'ai décidé d'essayer. Et j'ai décidé d'essayer déjà hier soir, vers 21 h, je pense que c'était, je vais faire le premier talon, parce que sinon, la nuit, je vais encore changer d'avis. Et j'ai fait le premier talon, et comme vous pouvez voir, voilà, style, là, j'ai tricoté déjà tout le talon. Mais il me reste encore la laine verte et je pense qu'il y en a encore à aller pour 5 rangs facilement. Je ne vais plus couper la laine parce que ça, c'est les bouts que j'avais coupés après quand j'ai terminé faire le haut, c'est-à-dire que j'ai déjà un petit nœud au début de mon talon. Alors je ne veux pas faire le deuxième. Je vais tricoter comme ça, mais franchement, pour moi, c'est un tout petit peu compliqué. Je pense que
J'aime bien cette laine multicolore, mais simplement quand il y a que les sections multicolores, quand il n'y en a pas ces sections pour faire, vous savez, les côtes, le talon et la pointe. Il vaut mieux que je rajoute plutôt à moi-même quand je faisais dans les chaussettes pour Adèle. Mais voilà. Alors là, je vais tricoter, enfin, je vais vous dire après. Comment ça se passe, mais bon, c'était un tout petit peu casse-tête parce que voilà, parce que j'arrivais pas à rajouter le gousset, parce que j'arrivais pas à... C'est à chaque fois en fait, je me demande est-ce que je coupe la laine ou est-ce que comment je fais parce que une fois coupée, après je pourrais pas rajouter. Enfin bref, c'est pour ça en fait, pour moi c'est un peu compliqué. Et voilà. Après, je vais vous parler d'un autre projet qui a besoin de d'être un peu défait. Là, c'est mon pull. Attendez, je vais essayer de vous le faire comme il faut pour que vous compreniez. Ah, désolé. Attends, je vais toucher un peu. Voilà. Ça, c'est mon pull. Et j'ai déjà fini faire le jacquard. Et j'ai même commencé une manche. Les manches ici, grosso modo, là où il commence votre bras, il doit être vraiment ajusté à votre bras. Et après, il faut doubler les mailles pour faire cette manche, enfin vraiment comme une lanterne, on dit chez nous, enfin vraiment vraiment large. Vu que moi, quand je tricote, j'ai toujours très peur que ça va faire trop petit. Et bien sûr, là, j'ai réalisé que j'en ai trop de mailles. Hier soir, enfin, facilement, il me faut enlever ici, allez, au moins 14 mailles. Je ne peux pas enlever peut-être plus parce que c'est la laine sur cône. Et je sais très bien qu'après le lavage, elle va... pas rétrécir, mais il va gonfler un peu et il va bien sûr, il y aura moins de trous, on va dire, ça va être moins transparent que ça. C'est pour ça que je ne peux pas faire enlever moins que ça. Mais hier soir, non, avant-hier soir, quand je l'avais compris, je voulais le défaire et après je pensais non. Enfin, vu que j'aime pas défaire, je préfère toujours attendre au moins un jour pour réfléchir un peu. De toute façon, peut-être si je n'avais assez de laine, peut-être je le laisserais comme ça. Mais vu que j'ai ça, et cette cake, il faisait, ce cake, il faisait 47 grammes, et là, il reste 29. C'est-à-dire que pour faire que ça, j'ai déjà utilisé 18 grammes de laine, rien que sur cela. Et là, moi, je tricote en deux fils. Et là, il me faut faire encore avec ce motif, au moins, là, il y a 25, 24 rangs, il me faut faire encore trois fois autant, c'est-à-dire que je n'aurai pas assez de laine. Il me reste encore un cake comme ça de 100 grammes, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore le corps. C'est-à-dire que j'ai encore deux manches et le corps à faire. C'est-à-dire qu'il faut un peu... il faut être moins gourmande, enfin, il faut économiser un peu. Et aujourd'hui, j'ai pensé, parce que moi, je voulais défaire simplement la manche. Et ici, sous les bras, faire au début, quand je tricote en jersey, parce qu'il y a 17 rangs en jersey avant de faire, avant de doubler les mailles. Et je pensais faire comme le gousset, vous savez, de diminuer de chaque côté, dans chaque rang, une maille. Et après, j'ai pensé, vu que je tricotais, allez, peut-être 5 rangs à partir des là où j'ai fait séparer le corps et les manches, je pense que je vais défaire tout et répartir les mailles autrement. C'est-à-dire que déjà, vu que j'ai fait 6 mailles sous les aisselles, je pense que je vais faire que 2 ou 3. Vraiment le strict minimum. Et après, peut-être, j'avais, je crois, 72 mailles sur les manches parce que ça me faisait 5 motifs parce qu'un motif, il fait 12 mailles. Et je vais peut-être enlever 3 mailles de chaque côté, c'est-à-dire enlever 6 mailles déjà sur
sur les manches et je vais les mettre, je vais les plutôt donner au corps. Et comme ça, je vais faire, ou peut-être même plus, et je vais faire que 3 mailles sous les aisselles, et comme ça va me faire moins de mailles déjà pour les manches au début. Voilà, parce que sinon, ici, moi j'ai le bras tout en haut à peu près 33 cm, et ici, moi j'ai 39, c'est-à-dire que je peux enlever encore 6 cm. Voilà, ça c'est le travail pour aujourd'hui. Je pense que je vais tout défaire et pareil, je vais le laisser de côté jusqu'au mois demain soir pour comment dire, pour me déstresser parce que comme je vous dis, je déteste de défaire, ça me stresse beaucoup et ça me traumatise parce que voilà et voilà, je vais laisser un peu de côté pour justement pour voir après. J'ai d'autres choses à tricoter, je vais faire les chaussettes, mais voilà, là maintenant. Après manger, je pense que je vais tout d'abord défaire tout ça. Et je vais vous montrer mon tout dernier projet que j'avais commencé avant-hier. Je vous ai dit que je participe à c'est comme un cours, on va dire comme ça, parce que j'ai payé l'argent pour apprendre à tricoter en technique qui s'appelle l'épaule marteau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est le pull pour Adèle. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est quand il y en a le réglant sur les épaules et vous faites les augmentations des deux côtés de votre ligne réglant. Moi, par exemple, j'ai pris ici 7 mailles parce que je fais un petit motif. Vous faites les augmentations pas dans chaque deuxième rang, mais dans chaque rang. Et après, vous le faites jusqu'à la ligne de votre épaule. Et après, vous faites quelque chose autrement, mais je ne sais pas comment faire pour l'instant parce que là, c'était le premier leçon. Et aujourd'hui, ce soir, notre prof, on va dire comme ça, elle va nous donner le deuxième. En fait, ici, premièrement, il fallait voilà, justement faire l'encolure. Il fallait commencer déjà à faire le réglant jusqu'à cette première ligne de l'épaule. Il fallait faire voilà, tricoter la différence entre le dos et le devant. Et en plus, moi, j'ai décidé de faire un petit motif ajouré devant. Ça n'y était pas dans le leçon, mais comment dire, c'était pas comme un patron payant. C'était juste l'explication comment faire. Pareil comme avec le pull que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que vous pouvez faire pour l'enfant, vous pouvez faire pour l'adulte, pour homme, pour femme, comme vous voulez, avec votre laine. C'est juste, elle vous donne les recommandations et comment faire les calculs. Moi, j'ai décidé de faire pour Adèle parce que, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle technique pour moi. Et vu que je ne connais pas trop, je préfère faire un petit projet, un petit pull pour justement pour que s'il y a des erreurs et si je dois défaire, ça va être moins douloureux. Mais j'ai décidé de ne pas le faire comme dans la leçon parce que la fille, elle fait que le jersey. Et par exemple, le ligne réglant, il a que deux mailles en droit. Moi, j'ai décidé de faire quand même des petits motifs. Ça, je pense que je peux gérer. Et voilà, ça, c'est le début. Comme je vous ai dit, je le fais avec la laine Concept by Katia Cotton Yak. Et deuxième fil, c'était celui-là, le mohair avec un peu d'élastane. Et justement, je tricote toujours 1 cm plus long. Qu'est-ce qu'il faut parce que je sais très bien maintenant que sur mohair il est rétréci. Mais bon, ça c'est aussi c'est gérable et enfin peut-être je vais utiliser cette laine que j'aime pas et qui est dans mon stock depuis un petit moment. Mais franchement, quand vous regardez là le tricot, j'aime bien en fait ce mélange avec le mohair parce que ça fait un joli rendu. Et je tricote, si je ne vous ai pas dit, avec les aiguilles numéro 3 et demi. Voilà, j'attends avec l'impatience ce soir pour pouvoir continuer, mais entre-temps, je vais défaire le pull et on se reverra un autre jour.
bonne journée à tout le monde. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est vendredi le 28, je suppose, juillet. Et je pense que ça va être le dernier épisode parce que je voulais quand même vous montrer. Hier, comme je vous ai dit, je voulais défaire tout, enfin, le début de la manche en fait de mon pull. Je l'ai fait, franchement, c'était mais une galère totale pendant 2 heures. Mais j'arrivais pas à défaire rien que. J'ai mis 2 heures pour défaire le motif. J'avais 24 rangs, je pense que ça correspondait style à 5 cm. Mais vu que vous voyez, c'est le motif qui est comme ça, en fait, je sais pas, est-ce que je peux vous montrer vite fait comment ça se fait. En fait, comme vous le tricotez. Dans le. Attendez, parce que là j'ai. Voilà. En fait, quand vous le tricotez, un motif, ça fait. Il faut. Enfin, là, vous avez 3 mailles. La troisième, il faut la passer comme ça par-dessus des deux. Et après, vous faites une maille, jetez une maille et une maille comme ça. Voilà, ça fait un motif. Et vu qu'on passe cette maille par-dessus des deux autres, vraiment dans le rang où il y a ces manipulations, c'est horrible pour l'enlever. Je pense que si le pull il était par exemple en mohair ou style la laine qui est très, enfin comment dire, mohair ou angora ou quelque chose comme ça, je pense que je m'aurais pas aventuré dans le truc comme ça quoi. Mais bref, j'ai défait tout et comme je vous ai dit, j'ai défait même là le corps, le quelques rangs que j'avais justement pour rééquilibrer les mailles. Enfin, dans la version que vous avez vue hier, je n'avais 72 mailles pour la manche, ce qui correspondait à 5 motifs de jacquard. Et du coup, vu que on fait tout d'abord à peu près 6 cm le point jersey, et après il faut carrément doubler les mailles. Et vu que j'avais 72, après j'ai monté aussi 6 mailles sous les aisselles, plus 2 mailles de chaque côté, vous savez, pour ne pas avoir trop de trous. Et au final, je pense, quand j'avais doublé les mailles pour le motif, je n'avais 164, si je dis pas 160, 160 ou 164, parce que de toute façon, pour le motif, on doit avoir le nombre de mailles qui se divise par 4. Voilà. Le truc, voilà, j'ai calculé que j'avais pas assez de laine, enfin, que ça va être vraiment compliqué pour finir tout, quoi. Et là, cette fois-ci, j'ai pris 6 mailles de chaque côté, en fait, la manche. J'avais pris 6 mailles ici au début et 6 mailles à la fin, justement, pour rééquilibrer le motif, pour que ça soit pareil et tout. Et après, j'ai monté que 2 mailles sous les aisselles, c'est-à-dire 4 avec ce que j'ai fait les deux de côté pour ne pas avoir les trous. Et quand j'ai doublé les mailles pour le motif, je n'ai que 128. C'est-à-dire carrément, ça me fait 30, 32 ou 36 mailles de moins, quoi. Alors, comme ça, et en plus, j'ai décidé de tricher un peu. Parce que comme vous savez, je sais pas si je vous ai dit, parce que ça date déjà d'un mois que je vous présentais ce pull. Je tricote avec les aiguilles 4,5. Mais ici, le motif, j'ai décidé de tricoter avec les aiguilles numéro 5. Justement, vu qu'il y a moins de mailles. Mais ça doit faire quand même pas loin. Parce que là, je tricote, c'est un câble de 60. Mais je tricote avec les aiguilles courtes. C'est-à-dire que là, ça doit faire le tour à peu près 50 cm. Justement, la pépite, on va dire, de ce pull, que les manches, ils sont très larges, en fait, avec ce motif, que ça fait comme une lanterne. Et
J'espère quand même de gagner en pur en volume grâce aux aiguilles numéro 5. J'avais peur de prendre 5 et demi, que ça fasse déjà trop grossir. Et du coup, enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai ici, il y avait 47 grammes de laine. Une fois, là, j'ai compté qu'un motif, parce que là, j'ai tricoté un motif en hauteur. Ça fait 4 rangs. Et ça fait 2 cm, c'est-à-dire que pour la longueur qu'il me faut, il faut tricoter 76 rangs, c'est-à-dire 48 motifs, allez, on va dire 50, c'est-à-dire qu'il faut faire 100 rangs. Et j'espère vraiment qu'il va me rester quelque chose de ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai encore un cake de 100 grammes, et c'est-à-dire que s'il me faut carrément 50 grammes, enfin, pour une hommage, ça fait énorme. C'est-à-dire que c'est 50 grammes que un fil. C'est-à-dire qu'en double fil, ça fait une manche, 100 grammes, quoi. Certes, en fait, quand on tricote, même, je sais pas, quand je tricote, par exemple, avec la laine en pelote, en général, si c'est la manche classique, j'utilise toujours une pelote et poussière, quoi. J'ai jamais utilisé deux pelotes, sauf si c'était vraiment la laine style 50 grammes et, je sais pas, 50 mètres, quoi. Vraiment laine très épaisse. Et comme je vous ai dit, là, le corps, j'ai quoi? 5 rangs. Et encore, en nuance, vu que j'ai rajouté, ça fait 24 mailles, j'ai rajouté pour le corps, parce que 12, une manche, 12, deuxième manche, c'est-à-dire que maintenant, le corps, il va être trop large, et je fais les diminutions, en fait, de chaque côté, et en fait, ça fait pas joli, comme vous pouvez voir, ça me fait des trous, en fait, de chaque côté, dans chaque, j'ai tricoté, je crois, au début, 2 rangs, justement, pour avoir ici la place pour monter les mailles pour la manche, et après, je diminue les, au début de mon rang, 2 mailles, et à la fin, 2 mailles, c'est-à-dire que, comme ça, il me faut faire 6 rangs, justement, pour diminuer ce que j'avais rajouté pour le corps, et en fait sur les aisselles justement ça va se voir moins. Je sais que je vais le rattraper après ces petits trous, ça va de toute façon je sais que cette laine elle se transforme beaucoup pendant après le lavage. Je vais rattraper après peut-être avec les fils. Là par exemple j'ai laissé exprès quand j'ai monté les mailles pour la manche, j'ai laissé vraiment le bout assez long pour que je puisse rattraper ces trous et ça soit pas visible. Voilà en ce qui concerne le pull. Franchement, maintenant c'est pareil. Je vous ai dit toujours, oui, prenez la laine, toujours, il faut prendre la laine pour en avoir assez et tout. Et je sais pas, ici, je n'étais sûre que je vais en avoir assez. Certes, si j'avais des manches classiques droites, j'en aurais assez. Je me poserais même pas des questions, j'aurais même pas de soucis, rien du tout. Mais vu que les manches elles sont larges, je pensais que, comment dire, que ça va être compensé par le motif qui est très ajouré. Mais apparemment, ce motif, quand même, elle bouffe la laine, quoi. Et c'est pour ça, en fait, voilà, une fois de plus, je vais être stressée par rapport à la laine. Est-ce que je vais en avoir assez ou pas? Là où je me stresse, enfin, pas trop par rapport à la laine, c'est les chaussettes. Voilà, j'ai fait hier soir, j'ai tricoté une déjà jusqu'à la pointe. Vu que j'ai pas, et c'est pareil en fait, j'ai coupé ça. Il me reste voilà la laine verte pour faire la pointe. Et quand je vous dis, ça me fait un peu d'œil tout le temps de découper, de faire ce découpage. Mais si je ne le fais pas, après là, style les chaussettes, ils vont être de taille 46 quoi. Et comme je vous ai dit, j'ai pas fait de gousset, j'ai hésité, enfin c'était tout un tralala. Là, j'ai tricoté toute la longueur du pied. J'ai essayé sur mon pied et franchement, je suis agréablement surprise parce que la chaussette, elle tient bien sur mon pied. Justement, je vous disais avant que par exemple, si je tricote le talon arrondi et je fais pas de gousset, la chaussette, elle va glisser et en fait, je me sens pas, c'est pas confortable. Mais là, je sais pas, est-ce que c'est parce que le talon boomerang, je sais pas. Mais quand même, comment dire,
Il glisse pas, c'est confortable, mais pour moi quand même, le talon arrondi, il est meilleur que ça. Voilà, ça c'est simplement, comment dire, pour ne pas tricoter tout le temps la même chose, voilà, il faut changer un peu, d'accord, mais quand même, le talon arrondi, pour moi, ça reste, voilà, top du top. Et là, par contre, vu que je n'avais pas de gousset, j'étais obligée de tricoter 60 rangs jusqu'à pointe. Normalement, je tricote à peu près entre 45 et 40, à peu, enfin, avec la laine de même grosseur. Et là, ici, j'en ai fait 60. Voilà, il me reste encore, voilà, la deuxième chaussette et voilà, faire la pointe avec la laine verte. Voilà, je pense que ça va être voilà, la dernière séquence pour ce vlog parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et chaque séquence je l'ai fait 10-15 minutes, c'est pour ça je ne veux pas que le vlog soit très long. Et on se verra voilà à la fin pour parler de tout ce que j'ai pu faire cette dernière semaine de mes vacances. Voilà, tellement elle était ma semaine de tricot. Comme vous pouvez voir, il y en a quelques projets commencés, surtout les chaussettes et bien sûr le nouveau pull avec les manches ou les épaules marteau, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour Adèle. D'ailleurs, je suis maintenant un tout petit peu en retard par rapport à notre groupe sur lequel. Là où on fait ce pull. En fait, c'est comme un projet commun, on va dire comme ça. On est sur Telegram et je sais pas, on est une, pas une centaine, mais pas loin, style 70 ou 80 personnes. Et justement, notre coach, celle qui vont sur cours, on va dire comme ça, elle nous donne comme des devoirs, elle nous explique comment faire, par exemple, la première partie, c'était monter l'encolure, faire les côtes et faire justement tricoter cette, le première étape, vous savez, la différence entre le dos et le devant. Après, c'était faire les augmentations justement pour l'épaule marteau. Après, le prochain étape, c'était faire les augmentations pour les manches. Là, déjà, il y a, je ne sais pas si c'est la troisième ou quatrième étape, faire les monter les mailles sous les aisselles. Et je suppose qu'il faut déjà, parce que je n'ai pas regardé encore les vidéos, elle explique tout comme si c'était sur YouTube, vous savez, sur, par les vidéos. Et après, chacun fait ses calculs, on lui envoie dans le chat et en fait, elle vérifie si c'est bon, si c'est pas bon. Moi, perso, j'envoie pas les calculs, j'envoie simplement après la photo de mon progrès. Mais comme je vous ai dit, là, je suis un tout petit peu en retard par rapport aux autres. Je pense que je suis pas toute seule parce que je vois les messages comme quoi la laine elle n'allait pas. Voilà, les filles, ils défont, ils refont, où il y avait des erreurs, quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est pour ça, peut-être cette semaine, je vais quand même essayer de progresser un peu. Et comme je vous ai dit, j'étais contente de commencer quand même le pull pour Adèle parce qu'il y a beaucoup moins de travail à faire que, comme si c'était pas, comme si c'était le pull pour moi. Et vu qu'en fait, j'ai les péripéties avec mon pull Vechevanka, c'est pour ça. L'autre, j'avais mis en stand-by parce que je me stresse encore une fois beaucoup par rapport à la laine. Parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien faire tout d'abord les manches et après faire le corps. Parce que comme ça, je fais les manches et dans le corps, après, je finis la laine. Sauf que là, quand j'ai fait les manches, quand je vous ai dit, j'ai défait et j'ai refait. Et là, j'ai déjà tricoté une manche entière. Vous pouvez voir quand même, c'est super large là où il y a le motif. J'adore cet effet, c'est vraiment, c'est super joli. Et quand j'avais
défait toute la manche. Oh, je me rappelle plus déjà. Oui, je vous ai dit qu'avant j'avais 160 et quelques mailles, et là, quand j'avais doublé ici pour le motif, j'avais 128. Voilà. Et je peux vous dire, vous savez, quand j'avais défait la première fois, la laine que j'avais embobinée en fait sur le cône et sur le petit cake, j'avais regardé après, je voulais savoir combien de laine, enfin combien de rangs je vais gagner avec cette laine. Parce que quand j'avais commencé à défaire, j'avais 24 rangs de motifs enfin, de motifs. Voilà. Et quand j'ai défait, et après, enfin, je recommençais à tricoter avec la même longueur de laine, j'avais fait 30 jusqu'à 30 rangs de motifs. C'est-à-dire que j'ai gagné quand même 6 rangs. Moi, sur le cake, j'avais 47 grammes, et quand j'avais tricoté la manche, il me restait exactement pile poil 10 grammes. Et je me suis arrêtée et j'ai pensé, est-ce que je ne vais pas faire tout d'abord le corps? Pourquoi? Parce que j'ai peur que je n'aurai pas assez. J'ai encore un cake de 100 grammes, et sur le cône, pareil, il me reste, une fois j'aurai tricoté les 10 grammes qu'il y avait ici, enfin, il y a déjà moins parce que je tricotais un peu hier, il va me rester aussi 100 grammes, c'est-à-dire qu'en tout, je vais avoir 200 grammes de laine. En sachant que pour une manche, il me faut presque 80 grammes, parce que c'était 37 grammes sur cake, mais c'est-à-dire que j'ai utilisé aussi 37 grammes sur cône. Et là, j'ai commencé à cogiter dans ma tête. Alors, hier soir, j'ai commencé à tricoter le corps avec ce qu'il me reste de ce petit cake. Pourquoi? Parce que je veux calculer combien de rangs je vais faire avec 10 grammes. Pour calculer, c'est-à-dire que si je tricote après une manche, il va me rester 60 grammes sur cake et 60 grammes sur cône. Et je veux savoir combien de rangs en fait je vais faire ici. En idéal, maintenant je vois que j'aimerais bien. Là, hier soir j'ai fait 9. Au moins, il me faut faire 15. Parce que avec 15 rangs, c'est-à-dire que quand il va me rester 60 grammes de laine, je pourrais en avoir combien? 90 rangs. Et c'est-à-dire que là, ça pourrait aller, parce que sinon, je serais obligée à nouveau de refaire toute la manche. Et là, j'aurais deux possibilités. Soit tricoter une manche classique, c'est-à-dire que là, comme ça, en point jersey, la manche classique, quoi. Ce que j'aimerais pas, parce que j'adore cet effet. Hier, quand je l'avais essayé, j'adore cet effet de cette manche, et ça fait comme non, mais c'est super beau. Et j'ai pensé, la deuxième possibilité, c'est de faire à partir de là tout le motif, de faire avec la couleur rouge. Je sais pas, est-ce que ça va être bizarre ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, quand même, j'espère que j'en aurai assez de laine, mais sinon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est mieux de faire la manche classique en jersey, ou est-ce que, à votre avis, ça serait quand même joli de faire le motif en rouge? C'est-à-dire que voilà, le pull, il va être blanc et rouge, mais il y aura grosso modo moitié-moitié rouge et blanc. Voilà, ça c'est vraiment un problème là maintenant, parce que, comme je vous ai dit, j'avais 440 grammes de cette laine blanche. Et je savais, quand je l'avais acheté, pareil pour un patron, que d'ailleurs je l'ai, mais je n'ai pas tricoté ce pull. Et je savais que pour ce pull, à l'époque, j'ai calculé que je vais le tricoter en double fil, et je savais que 440 grammes, j'en aurais assez, parce qu'il me semble que ici il y a 700 mètres dans les 100 grammes. Là, j'ai pensé, et c'est pour ça en fait, je savais que normalement j'en aurais assez. Mais là,
avec ses manches qui sont super larges, malgré que c'est le motif ajouré. Non, ça prend beaucoup, beaucoup de laine. C'est pour ça, là, je suis. Ce soir, voilà, je vais terminer ce petit bout pour savoir combien de rangs je pourrais en tirer avec. Et après, je vais réfléchir, mais quand même, j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires. Voilà, ça c'était ma petite semaine de tricot. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, vous aurez le vidéo de la première partie de mon stock de laine. Et vous savez, quand j'avais déjà commencé avec la laine en pelote, il y a beaucoup de projets. Quand je regardais la laine, il y avait beaucoup de projets qui naissaient dans ma tête. Et je pense qu'avec la laine sur conne, ça va être un tout petit peu pareil. Et je pense que je vais me faire une petite liste. Vous savez déjà ce qu'il me faut absolument tricoter pour. On va dire pour la nouvelle saison froide, pas que pour moi, mais aussi pour Adèle, pour ma mère, enfin pour mon mari, non, parce qu'elle n'aime pas les choses, enfin les habits tricotés. Mais voilà ce qu'il me faut, et après, je vais faire une autre liste avec ce que j'aimerais bien tricoter. Vous savez, quel patron j'ai qui m'intéresse, vous savez, comme tricoteuse, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi, etc. Et peut-être, voilà, je vais sortir une petite vidéo avec tous les projets que j'aimerais bien faire au moins jusqu'au premier nouvel an, on va dire comme ça, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez s'il vous plaît le pouce, mettez dans les commentaires. Ce que vous pensez par rapport à mes projets, surtout par rapport à mon pull. J'aimerais bien aussi savoir, voilà, la marque de colle pour textile, si vous en connaissez, si vous, voilà, si vous avez l'expérience, parce que il me faut déjà finir cette veste pour Adèle pour qu'il puisse la porter déjà un tout petit peu l'été. À vrai dire, chez nous, l'été cette année, ça me ressemble beaucoup à l'été ce que j'ai connu. Dans les années 90, en Ukraine, quand vous savez, le pic de chaleur, c'était style 28 degrés. Et cette année, voilà, en Gironde, c'est très, très agréable, on va dire comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de tricot et pleine d'inspiration.